j'ai très envie, et je le fais au quotidien, de défendre nos lectures. Et oui, je me sens investi de défendre la littérature d'aujourd'hui. Je trouve qu'on a une littérature qui est vivante, qui a un renouveau. Les auteurs d'aujourd'hui parlent de choses qui peuvent parler à beaucoup de personnes, et pas simplement à un public français ou de langue française. Personnes qui étaient en rapport avec la France et le monde de la langue française, et je me suis rendu compte qu'il manquait d'un lieu qui ne devait pas relever du public comme une ambassade ou un institut, mais une espèce d'autre lieu qui pouvait aussi avoir une partie culturelle et surtout une partie livre. C'est là que c'est pas une success story, c'est que ça s'est fait un peu par défaut, c'est-à-dire que c'était pas le grand rêve d'ouvrir une librairie, encore moins un café littéraire. Mais mes essais renouvelés d'essayer de m'intégrer sur le marché du travail danois ayant échoué, ça n'avait pas très bien fonctionné. Donc du coup, voilà, d'essayer de prendre quelque chose qui me parlait vraiment. L'idée, c'était vraiment qu'une librairie stricto sensu telle qu'elle était pensée les 50 dernières années, ça n'avait pas vraiment d'avenir ici. Finalement, non, je trouvais que pas du tout, à force de discuter avec les uns et les autres, c'était un premier discours qui était assez négatif, mais que finalement, il y avait un bon terrain. Seulement, il fallait une animation autour. Ça ne suffisait pas de rentrer et de sortir pour acheter un livre en particulier. Donc on se disait qu'avec un café littéraire plutôt qu'une simple librairie, on permettait de créer ce passage, on permettait de créer cette ambiance, de faire vivre le livre. Puis c'est une partie qui m'intéresse beaucoup moins. Notre agenda culturel, il suit beaucoup ce qui se fait. Et en fait, le seul événement dont on était le promoteur, c'est le prix littéraire du Beau Café qu'on a lancé l'année dernière, où là c'est vraiment nous qui avions invité Laurent Mauvigné en envoyant vraiment une bouteille à la mer, disant « Est-ce que ça vous dirait de venir ?» Et on a eu de la chance, il a dit oui tout de suite. Et là on recommence cette année, donc on se remet aussi en contact avec le vainqueur, dont je ne parle pas pour l'instant parce que l'annonce n'est pas officielle, mais voilà. Attention, la libraire se prend pour une éditrice, mais c'est une éditrice qui est en rapport direct avec ses activités, c'est-à-dire que je vais sélectionner des auteurs qui sont venus ici, dont j'estime que le discours est à portée, sinon internationale, au moins européenne, parce que je pense sincèrement qu'ils ont quelque chose à dire et à apprendre aussi à des Danois, et qu'il y a un intérêt pour eux aussi à lire les auteurs français. Même en danois, je m'en fous. Mais je pense qu'ils pourraient être intéressés par les discours de nos auteurs d'aujourd'hui. Donc on va faire une petite publication, c'est le projet de cette année, dans lequel on va sélectionner des extraits en fait, de l'interview qu'ils ont donné ici, dans lequel le fil conducteur va être qu'est-ce qui est international dans mon discours, qu'est-ce qui peut te parler à toi, auteur danois. Et l'idée, ça va être de le faire en bilingue, voire éventuellement avec une édition faite pour l'enseignement plus pédagogique. Je pense que le livre de Laurent Mauvigné, Des Hommes, c'est une manière de parler de la guerre. Je pense qu'Éric Emmanuel Schmitt, c'est une manière de parler d'humanité. Le livre de Philippe Claudel, c'est aussi une manière de parler de l'être humain en général, de ses aspirations dans un contexte de crise. Donc ces trois auteurs, par exemple, y seront définitivement. Alors le Club des Amis du Beau Café, ça s'est fait parce qu'on avait envie de faire quelque chose pour les gens qu'on voyait souvent venir. Il y avait vraiment des réguliers, donc on avait envie de faire un truc un peu symbolique. La musique, les DVD, les livres, la petite épicerie fine, mais aussi pour les soirées, donc réussir à leur garantir des places assises quand on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde. Donc ça permet de dire, voilà, toi tu es devenu membre de notre club, ben, moi je te reconnais, donc j'ai envie de te faire plaisir s'il y a un truc qui te plaît. Et puis bon, on a eu la chance de pouvoir le faire de manière aussi symbolique lorsque le prince Henri a décidé de venir pour faire une lecture de ses poèmes. Là, c'était vraiment porte fermée pour les autres, c'était uniquement pour les membres du club. Bon, il a fallu faire au tirage au sort parce qu'on est beaucoup trop nombreux et qu'on pouvait pas mettre tout le monde ici. Mais ça a été apprécié et c'était sympa de la part de l'un et des autres. Mais au début, quand on a ouvert, c'était 90% de Danois et 10% de Français à peine. Et en fait, là, c'est en train de se rééquilibrer, où il y a de plus en plus de Français qui viennent. Selon la période, par exemple, je pense à la période électorale, ça peut rapidement devenir un café du commerce ici. C'est certain que les débats sont assez chauds, que l'actualité politique en France, il se passe quelque chose de notable. Les gens viennent ici pour en débattre, pour essayer d'entendre ce qui se passe. Ça les touche.
On n'arrête pas.